Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, nous sommes confinés, mais pour certaines personnes, peut-être pour des personnes qui ont besoin d'une activité physique un peu professionnelle, ils auront peut-être eux besoin de sortir au moins une heure par jour. Ou peut-être qu'au bout d'un mois, vous avez envie de vous dégourdir les jambes. Mais bien, il y a deux sites qui vont vous permettre de savoir où aller autour de chez vous. Donc le premier, c'est Géoportail. Et il y a aussi un site qui a été fait par un girondin, M. Émeric Dupoué. Euh, merci à lui parce que c'est vraiment facile à prendre en main. Donc vous tapez dans votre moteur de recherche 1km.fr. Donc ici vous pouvez aller dessiner l itinéraire de promenade circulaire. Vous pouvez aussi télécharger donc, euh, directement depuis le gouvernement, donc l'actualité de déplacement. Donc vous avez aussi donc, le twitter et le Facebook. Donc on va aller sur la région. Euh, Girondin, donc on va prendre directement Bordeaux et on va aller à la gare Saint-Jean. Donc gare de Bordeaux Saint-Jean et je vais lui dire que je veux donc euh, donc je veux pas du moins donc on peut aussi se géolocaliser. Je veux lui dire que je veux afficher itinéraire de promenade circulaire. Donc je me mets devant la gare et je choisis ici cet itinéraire cette adresse du moins, et là il va euh, me calculer. Donc euh, on fait OK. Voilà. Et maintenant il est en train de calculer l'itinéraire de promenade autour de l'adresse que j'ai donnée. Donc on voit que ça fait une longueur de euh, grosso modo 9 bornes. Donc vous avez un petit circuit autour de la gare euh, de, de Bordeaux-Saint-Jean. Après, ça peut être une autre adresse. Hein. Si vous n'êtes pas à côté de la gare, on va prendre ici au pif. Hein. Donc là, on va s'arrêter. Et je prendrai cette adresse. Je lui demander de calculer l'itinéraire. À chaque fois, il faut que je clique sur OK. Calcul de l'itinéraire. Et on saura bientôt. Donc euh, voilà. Donc autour, à peu près pour 9-10 km pour une heure. Autour de l'adresse. Donc, on peut maintenant essayer avec notre site euh, géoportail Donc, on va taper directement en Bordeaux, Alors, 33 000. Et on va reprendre le même lieu. Donc, on va à la gare de Bordeaux-Saint-Jean et on va aller sur une espèce de clamoulette et on va aller dans euh, dans mesure et dans mesure vous allez faire calculer une isochrone et là vous allez mettre votre point de départ voilà et on pouvait choisir soit isochrone donc là c'est sur le temps donc pendant une heure on va faire calculer et vous saurez où il y a aller pour une distance d'une heure. Sinon, il y a aussi donc, ISO distance. Et là, je vais mettre un kilomètre. Et on va faire calculer. Donc, je suis bien en mode de transport à pied. Calculer. Donc là, on se rapproche d'un kilomètre.fr sur la distance. Mais celui-ci, pour moi, est beaucoup plus simple à prendre en main. Donc 1km.fr, n'oubliez pas, vous mettez euh, votre adresse. Et après, il suffit de cliquer sur les deux petits pieds et de cliquer sur OK pour qu'ils puissent calculer l'itinéraire autour de chez vous. Euh, pour les soit ceux qui veulent faire une heure de, de sport par jour, etc. Donc tout est affiché ici. Et pour moi, ça peut même servir après le confinement pour ceux qui veulent faire un petit parcours sportif autour de chez eux pendant une heure eh bien tout est disponible je serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant gardez la forme et la santé bye bye